peu. Je pense que c'est comme ça partout et pour toutes les causes. Le chemin n'est jamais tracé d'avance, il peut y avoir plusieurs directions à la fois. Mais quand je regarde en arrière et que je constate le même en dessous, je trouve que ça a toujours été le même. When I hear about human rights, I think of it. It's a fundamental domestic of religion, and it is a principle of not having anything. It's the idea of all humanity. Very human beings, in different ways. Some people believe that human rights are rooted in specific cultures and beliefs. Others say that human rights are universal. Pourtant, les droits de la personne ne signifient pas la même chose pour beaucoup d'entre nous. Certains croient que les droits sont enracinés dans des cultures et des croyances particulières. D'autres encore pensent que les droits de la personne sont universels. En quoi les droits de la personne influencent-ils notre vie quotidienne? How do human rights affect our lives every day? Le droit de jouer, c'est un droit humain parce que c'est un besoin que l'être humain a pour se développer, pour s'épanouir, pour grandir. Le sport, le jeu, nous aide en tant que communauté, collectivité à se rassembler, à s'unir à les différentes valeurs qu'on retrouve à l'intérieur du sport. C'est par l'action que l'on fait progresser les droits de la personne partout au monde. Nous travaillons à créer des occasions pour que de nombreuses voix puissent se faire entendre.
expression is so important because it's your chance to say what you feel inside. My art speaks about what matters the most to me as an Iraqi Canadian, and also as a human being. When I speak my mind about what is happening in the world or around me, I feel fully alive. We should be free to make our voices heard in whichever form we wish. Painting, writing, protesting, taking part in social movements,